Comme certaines personnes disent, la Bible déclare « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il n'y a pas de verset comme cela, ça n'existe pas, ce n'est pas dans la Bible. Tous les jours, entraînez-vous à aimer Jésus. Est-ce que vous m'avez compris? Il est la personne la plus importante dans votre vie. Parce que voyez-vous, il est la seule personne qui vous aime réellement. Toute autre personne aime certaines choses vous concernant. Il se pourrait qu'ils aiment vos yeux, mais n'aiment pas votre nez. They like your kindness, but they don't like your anger. Ils aiment votre gentillesse, mais ils n'aiment pas votre colère. But you see, Jesus is the only one who can fully separate you from your wrongs. Mais voyez-vous, Jésus est le seul qui puisse pleinement vous séparer de vos torts. Separate you from everything else and love you fully. Vous séparer de toute autre chose et vous aimer pleinement. And before him, you cannot hide anything. Et devant lui, il n'y a rien que vous puissiez cacher. What can you hide? Que pouvez-vous cacher? Adam, where are you? Adam, où es-tu? Adam. I heard your voice and I hid myself because I found out I was naked. Adam répondit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché car j'ai constaté que j'étais nu. He was hiding from God. Il se cachait de Dieu. Think about it. What was he hiding from? Pensez à cela. De qui est-ce qu'il se cachait? What was he hiding from? God. Dieu? Il se cachait de Dieu? Think about a little boy. He is 3 years old. Imaginez un petit garçon de 3 ans. He's having his bath. Mommy comes to the bathroom, opens the door, and the little boy says, "Mommy." Il prend son bain et sa maman entre dans la salle de bain, ouvre la porte et crie, "Maman!" And then says, "Mommy, please shut the door." Et ensuite il dit, "Maman, s'il te plaît, ferme la porte." How old is he? 3 years. Quel âge a-t-il? 3 ans. Mommy, please shut the door. Maman, s'il te plaît, ferme la porte. Can you imagine that? What's mommy going to do? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Qu'est-ce que maman va faire? You can't hide from God. He knows you. Vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Il vous connaît. He knows you. He knows things about you that you don't even know about yourself. Il vous connaît. Il connaît des choses vous concernant dont vous n'avez même pas conscience. When he starts telling you about you, you'll be amazed. He knows you. Quand il commence à vous parler de vous, vous serez étonné. Il vous connaît. You know, many of us have never understood this power of the Spirit of God. Voyez-vous, plusieurs d'entre nous n'ont jamais compris cette puissance de l'Esprit de Dieu. We're talking about his glory, his presence, his personality. Nous parlons ici de sa gloire, sa présence, sa personnalité. When he takes over your life. Quand il prend le contrôle de votre vie. And what he's supposed to do. Et ce qu'il est supposé faire. His ministry is a vast ministry. Son ministère est un ministère vaste. When the Holy Ghost takes over your life, for example. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de votre vie, par exemple. It says, if the spirit of him that raised up Jesus from the dead lives in you. C'est-à-dire, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous. That same spirit shall vitalize. Your mortal body. Ce même esprit rendra aussi la vie à vos corps mortels. Now, when you receive the Holy Ghost, you should never suffer from paralysis. Alors quand vous recevez le Saint-Esprit, vous ne devez jamais souffrir de paralysie. Paralysis of the finger, of the leg, of the hand, or of anything. La paralysie des doigts, des jambes, des mains, de quoi que ce soit d'autre. Some years ago, a young man came to me. Il y a quelques années de cela, un jeune homme est venu me voir. He said he just woke up one day. Il disait s'être réveillé un jour. And discovered that half of his head became he lost feeling, just like it was dead. En réalisant que sur une moitié de sa tête, il avait perdu toute sensation. Il avait perdu le toucher. Lost feeling on the half side of his face. Il avait perdu toute sensation sur une moitié de son visage. He could not shut his eye. Il ne pouvait pas fermer son œil. It remained open 24 hours. Ça restait ouvert pendant 24 heures. He could only close the other one. It just happened overnight. Il pouvait juste fermer l'autre œil. C'était comme ça. And then his mouth was also affected. Toute la nuit. Ensuite, sa bouche a été affectée. Now, when he talked to me, I remember that I had an experience one time that was very close to it. Maintenant, quand il parlait, je me suis rappelé que j'ai eu une expérience, un cas qui ressemblait à cela. But I wouldn't tell you about that now. Let me just give you his own case. Mais je ne veux pas vous en parler maintenant. Laissez-moi juste vous présenter le cas de ce
jeune homme. From what I did for myself, which I discovered in God's word. Mais de ce que j'ai eu à faire de moi-même, je l'ai découvert de la parole de Dieu. I told him what to do. Je lui ai dit quoi faire. I said, young man, don't take it lightly. J'ai dit, jeune homme, ne prends pas cela à la légère. See, it's like a snake coming into your house. C'est comme un serpent qui rentre dans votre maison. When a snake is in your bedroom, you're not going to say to your neighbor, guess what happened today? Quand le serpent est dans votre chambre, vous n'allez pas dire, voisin, devine ce qui s'est passé aujourd'hui. And it says what? You say, one snake is in my bedroom. Et ensuite, tu vas dire quoi? Il y a un serpent dans ma chambre. Is that the way you're going to take it? Est-ce que c'est comme ça que vous allez réagir? You say, neighbor, get me a stick. Vous allez dire, voisin, apporte-moi un bâton. And you want a stick, you want something. You want to kill it. Et vous voulez un bâton, vous voulez quelque chose, vous voulez le tuer. Because you know, you don't kill it, it'll be after you. Parce que vous savez que si vous ne le tuez pas, il s'en prendra à vous. And you don't want it after you. Et vous ne voulez pas qu'il s'en prenne à vous. So I said, don't take it light. Alors je lui ai dit, ne prends pas cela à la légère. I tell you what, don't take it light. Et il me disait quoi? Et j'ai dit, ne prends pas cela à la légère. This thing has not come to befriend you, it's come to kill. Cette chose n'est pas venue pour être amie avec toi. Elle est venue pour te tuer. Alors j'ai dit, va de l'autre côté de la plateforme, agenouille-toi là. Et pour les prochaines une heure, parle en d'autres langues. C'est ce que je lui ai dit. Va parler en langue. Il ne s'agit pas ici de t'imposer les mains. Va là-bas, agenouille-toi et parle en langue. Et je lui ai dit, parle aussi vite que tu peux et aussi fort que tu peux. Et il savait que c'était une affaire sérieuse. Il est parti sur le côté et il a commencé à prier. Et une fois en passant, je venais vérifier s'il faisait ce que je lui avais demandé de faire. Il priait. Ensuite, lorsque le temps était écoulé, il est revenu vers moi et je lui ai dit, c'est juste le commencement. Tu vas devoir le faire encore et encore. Dans les prochains jours, tu vas faire la même chose. Tu vas parler en d'autres langues. Well, about a week later, he was in church. Environ une semaine plus tard, il était à l'église. And I sent somebody to go close to him and check how his eyes were doing. Et j'ai demandé à quelqu'un de partir vérifier ce qu'il faisait et de regarder ses yeux. I said, don't talk to him, just go stand in front of that guy and see if his two eyes are blinking. Je disais, ne parle pas avec lui, juste tiens-toi devant lui et vérifie si ses yeux clignent. And of course, they were blinking. I saw him later on. He was all right. Et bien sûr, ses yeux clignaient. Et après, tout allait mieux. Tout allait mieux. See, don't take those things lightly. Donc, ne prends pas ces choses à la légère. There's enough power inside you to cause a change. Il y a suffisamment de puissance à l'intérieur de vous pour susciter un changement. Remember what Jesus said to the disciples. Rappelez-vous ce que Jésus a dit aux disciples. He said, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Il disait, vous recevrez une puissance et après quand le Saint-Esprit descendra sur vous. What is power? C'est quoi la puissance? Il y a certains jeunes ici, certains d'entre vous, vous n'êtes pas partis à l'école. You've taken school lightly. I want to tell you, go to school. Go to school. Vous prenez l'école à la légère. Je veux vous dire, allez-y à l'école. Allez-y à l'école. It's not because of a certificate. Go to school. C'est pas à cause d'un certificat. Allez-y à l'école. To enlighten your mind. Afin d'illuminer votre pensée. And education is not so you can get a good job. All right? L'éducation, c'est pas pour que vous puissiez obtenir un bon travail. Ok? School education never made anybody rich. So we already know that. L'éducation scolaire n'a jamais rendu quelqu'un riche. Nous savons tous cela. But you need to go to school so that it can inspire you. School inspires you to learn. Mais vous avez besoin d'aller à l'école afin que cela puisse vous inspirer. Parce que l'école inspire. Can I tell you what he thinks about you? He thinks you're wonderful. Laissez-moi vous dire ce qu'il pense de vous. Il pense que vous êtes merveilleux. That's the truth. C'est la vérité. See, we think that because God knows me. No, I said God knows you. Alors nous pensons que parce que Dieu me connaît et je dis Dieu te connaît. The next thing you think is if God were to see all the things in my heart. La chose qu'il pense ensuite est que si Dieu peut voir toutes choses dans mon cœur. And all the things I've done, he'll kill me. Et toutes les choses que j'ai eu à faire, il me tuera. He saw them before you did them. Il les a vus avant même que vous ne les fassiez. He saw you before you were born. Il vous a vu avant que vous soyez né. And what did God do? He planned for you to
to be in a meeting like this. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a planifié les choses afin que vous soyez dans une rencontre comme ceci. Where you can hear about his love. Où vous pouvez entendre parler de son amour. He planned it. Il a planifié cela. So you could hear somebody telling you, God loves you. Afin que vous puissiez entendre quelqu'un vous dire Dieu t'aime. You're important to God. Vous avez de l'importance pour Dieu. You've lived wrongly, but God wants you. Vous vivez une mauvaise vie, mais Dieu vous veut. He can change everything about your life. Il peut changer toutes choses concernant votre vie. You know, he can rearrange your future. Savez-vous qu'il peut réorganiser votre futur? He knows your tomorrows. Il connaît vos lendemains. And he can fix everything in your tomorrows. Et il peut réparer quoi que ce soit concernant vos lendemains. He knows who you were supposed to meet tomorrow. Il sait qui vous êtes supposé rencontrer demain. And what that person would have done to you. Et ce que cette personne vous aurait fait. And God, ahead of tomorrow, can rearrange tomorrow. Et Dieu, devançant le lendemain, peut réorganiser le lendemain. So you don't walk into that trouble. Afin que vous ne marchiez pas dans ce problème. He's wonderful. See that? Il est merveilleux. Vous avez vu cela? This is something that I know about God that gives me confidence. C'est quelque chose que je sais à propos de Dieu qui me donne de l'assurance. Sometimes I say, dear Lord Jesus, you know my tomorrows. Just look in, Lord, just look into my tomorrows. Souvent j'ai l'habitude de dire, cher Jésus, tu connais mes lendemains. Juste analyse mes lendemains. Juste analyse-les. You can see some mess somewhere. Just straighten things out before I ever get there. Si tu vois un certain désordre, juste arrange les choses avant que j'atteigne cet endroit. Because Jesus, in his prayer to the Father. Parce que Jésus, dans sa prière au Père, il a dit, Père, toutes choses te sont possibles. So I took advantage of that. Donc, je prends avantage par rapport à cela. En tant que mon Papa Dieu, si toutes choses sont possibles à lui, et qu'il a dit qu'il est le Dieu qui déclare la fin depuis le commencement, and from ancient times, things not yet done, peep into my tomorrow. Et depuis les temps anciens, les choses que tu n'as pas fait, plante cela dans mes lendemains. And straighten things out for me before I get there. Hallelujah. Et redresse les choses avant que j'arrive là-bas. Alléluia.